un parcours de fraction. Tim doit parcourir 80 km. Le premier jour, il parcourt les 2/5 de cette distance. Quelle distance a-t-il parcouru le premier jour? 2/5. 2/5 de 80 km. 80 divisé par 5 pour trouver un cinquième, multiplié par 2, 2/5, ça nous donne 16 fois 2, 32 km. Bien. Quelle proportion lui reste-t-il à parcourir à la fin du premier jour? La proportion, c'est qu'il faut soustraire de 80 km, on va soustraire les 32, ou bien de 1, on va soustraire 2/5, la proportion c'est de 3/5. Je répète, à la fin du premier jour, Tim, il reste encore 3/5 du parcours, parce qu'il a déjà parcouru 2/5, autrement dit, il reste 45 km. Pardon, 48. Alors, le deuxième jour, il parcourt la moitié de la distance restante. La moitié de la distance restante, la moitié de la distance restante, c'était 48 divisé par 2, il parcourt 24 km. Autrement dit, quelle proportion? Ben, il restait 3/5 et la moitié de 3/5, c'est 3/10, comme vous pouvez très bien constater en divisant 3/5 par 2. Alors, quelle distance lui reste-t-il à parcourir au début du troisième jour? C'est facile. De 80, on soustrait les 32 du premier jour, les 24 de la deuxième jour, et il nous reste 24 km. Alors, Tim, vraiment très grand sportif.